Bonjour à tous les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 5 de Dragon Age Inquisition. Donc la fois on s'est arrêté là, voilà tout simplement. On s'est arrêté là, on avait refermé la faille qui était située là. Et juste avant de se quitter, on avait fait un peu l'inventaire des armures, des armes, etc. de chaque personne, de chaque compagnon. Donc voilà où on était rendu. Donc du coup, eh bien on va continuer notre aventure. Bonjour. Bonjour. Non? Bon, salut. Ah, j'aime pas les gens. Ah bah ça y est, tu vois, voilà, elle parle. 3 heures après, quoi. Pauvre fille. Ah, ça m'énerve, ça. Bon. Journal. Merde. Non, ça c'est une côte orageuse. Faut que je passe. Ah, j'ai tout ça. Il est tout ça, c'est long quand même. Ça, j'ai fini. Enfin, j'ai fini. Il faut que j'aille ramener ça. Je crois que ça, c'était dans le coin. En haut, en bas, je dirais en haut. Parce que j'ai tort, hein, de toute façon, j'ai souvent tort, donc ça me dérangera pas. Un des choses ici. Je pense que comment ça dérange personne en fait que je fouille partout. Même les gens qui habitent dans la maison, ça ne dérange personne que je fouille comme ça. D'ailleurs, c'était pas en. C'était quoi? Non, je crois que c'était un truc avec des armes, mais. Non, je. Non, c'était pas ça. Je suis con, moi, ou quoi? Et des fois, je me pose la question. Voir, c'est en dessous. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas pour un truc. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Une échelle. On fouille un petit peu. On lit un petit peu, hein, ça on est habitué. Hop, 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 hop. Voilà. Et le petit coffre. Ah, un schéma de jambière. C'était pas mal. J'adore comment elle monte les escaliers, mais je trouve ça impressionnant, moi, ça. Je sais pas, elle est trop grande, je sais pas, il y a un truc, hein, il y a un problème. Ah, bonjour, mon garçon. Bonjour. Je m'appelle Indel. Ta mère a besoin d'aide? Indel, votre mère n'arrive plus à respirer. Je viens récupérer. Excusez-moi. Quoi? Mais elle se portait bien. Elle n'a plus de problème aux bronches depuis. Bon, d'accord, j'ai ce qu'il faut. Tenez, et j'en ai une de prête. Allez vite lui apporter. Vite, vite. Tu sais, mon garçon. Va pas mourir non plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Putain, ils sont bien équipés quand même. Hein. Est-ce qu'il y a une attaque? Problème. Hein. Alors, soit on peut monter, soit on peut descendre. Bah, moi je serais d'avis que vu qu'on a commencé à monter, de continuer à monter, tout simplement. Parce qu'il y a en haut, tout simplement, des fois. C'est jamais. Bon, j'irai peut-être pas non plus jusqu'au ciel, hein, je pense pas. Donc là, vous voyez, il y a quand même un trésor, donc toujours bon à prendre. Hein. Puis on a un beau panorama aussi. Un beau panorama. Alors. Là, il y a des choses à fouiller. C'est quoi ça? Je sais pas. Là, si je saute, je pense que je fais un suicide intégral. Bon, ben voilà, on peut descendre maintenant. Ah là, ça c'est la classe! Hop là! Et on chie pour monter comme possible, par contre pour descendre, il n'y a aucun problème. J'ai oublié ça, je crois, tout à l'heure. Non, c'est l'escalier qui va remonter.
l'arme du créateur, j'ai eu tort de douter de vous. Comment vous servir, messagère d'Andraste? Aider les réfugiés. Envoyez vos hommes aider les réfugiés. Entendu, messagère d'Andraste. Une poignée d'entre nous restera ici. Les autres iront accomplir votre volonté. Quand le créateur vous confiera votre grand dessein, souvenez-vous de notre contribution. Louis, sois la messagère d'Andraste. Ouais. En fait, je crois vraiment que la prochaine quête que je vais faire, enfin là, je vais retourner apporter la potion, mais la prochaine quête que je vais faire, ça va être les chevals. Vous savez, la quête que je pouvais pas faire, parce que justement, j'ai des personnages malades, fortement malades même. Donc voilà, je pense que ça va être la prochaine quête que je vais faire. Maître de l'écurie, voilà, celle-là. En attendant, je vais juste aller faire un truc, retrouver l'éclaireuse. Voilà. Carte. Et l'éclaireuse, elle est juste là en fait. Donc on est vraiment pas loin. Donc alors, l'éclaireuse, où est-ce qu'elle peut être cette con là? Où est-ce qu'elle peut être? Ah ouais, c'est pour ça que c'était violette alors. D'accord, je comprends mieux. Parce que vous savez, tout à l'heure, c'était violette et tout. Je me posais la question, je sais plus si j'en ai parlé. Enfin, tout à l'heure, mais. L'ancien épisode. Bon, je dis tout à l'heure parce que pour moi, c'est. Pour moi, voilà, ça se continue dans la continuité en fait. Ah bah, je crois que j'ai trouvé un truc par terre là-bas. Merci. Sans votre intervention, je serais morte. Vous avez besoin de quelque chose? Je ferais peut-être mieux de rentrer. Un merci, ça te cacherait la gueule? Et tu es concentré comment en restant là? Ah oui, t'as rien ce qui se passe. Moi, je serais toi, je nous sauverais. Hein. Parce que nous, on va vers le village. Genre. C'est comme ça. Bon, bah, par contre, il y a une faille là-bas. Est-ce que je me tente de la fermer? Bon, allez, on est fou. Oula, on est vraiment fou. On est... Il y avait le bord très près, chef. Voilà. Voilà, je prends les montagnes. Alors qu'il y a juste un petit chemin à traverser. À fermer la faille en espérant qu'elle est pas trop dure à fermer la faille. Putain. La messagère est à terre. Ah bah oui, forcément je suis à terre toi. Ah putain, bah là là là. Oh, ok, c'était une mauvaise idée les enfants, c'était une très mauvaise idée. Mais pourquoi j'ai tendance à toujours aller dans le combat alors que je n'ai pas de potion? Tu peux m'expliquer ça? Il doit y avoir quelque chose ici. Regardez bien. Je me casse. Loin, très loin. Putain, j'ai l'impression. Pire, je vais aller utiliser un truc. S'il a pris un niveau. Non, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point à utiliser. Des fois que j'aurais bien voulu pourtant. Hop. Les gars, vous me suivez, hein? Non, on fait le tour. Ah, le gros bug, d'un coup on les voit en haut, après on les voit en bas. Normal. Aïe aïe. Ah bah tiens, il y a un camp. Bonjour. On va se reposer. C'est bon, il y a des potions. Donc ça veut dire que je ne suis pas loin du village. Et du monsieur en même temps. Où est-ce que t'es? J'ai retrouvé Ritz et je l'ai sauvée d'une attaque des Templiers. Elle va bien. Merci. C'est gentil d'avoir pris le temps. La région est dangereuse pour tout le monde.
Heureusement que l'Inquisition essaie d'arranger les choses. La 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 la. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, mon garçon! Ah, tu pensais pas te faire attaquer comme une merde, hein? Merci. Toujours se méfier de l'eau qui dort. Mais non, mais rentre pas là-dedans, mais. C'est dingue, dingue, dingue ça. C'est comme si elle le savait pas, pourtant on le sait. Ah, c'est bon, t'es mort. Pourquoi ma quête elle a sauté exactement? Parce que j'ai plus de quête. Con que je suis. Donc, du coup, toujours les marches solitaires. Ah, par contre, j'avais. Ça. C'est où ça? Compléter l'acquisition. Je vois. D'accord, je vois. Bah du coup, non. Du coup, non. On va aller... là. On va se rendre directement sur place, ça va être beaucoup plus simple. Alors, des réquisitions. Grande tente. Les soldats et agents d'acquisition sur le terrain ont désespérément besoin d'un endroit pour se mettre à l'abri des récoltes. Okay. Bon, bah, le putain de bois, ça, j'ai toujours pas trouvé. Hein? Ça, c'est terrible. Alors, du coup, journal. Du coup, la quête était avant. Ouais, c'est bon, lui. Alors, rapporter le phylactère à Elandra. Je vais ramener avant la potion. La potion sur le cours, ça va être ça, je crois. Ah, c'est ça. On va rapporter la potion. Oui, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait être utile. Tu me saoules. Tu le sais, ça que tu me saoules. Non, mais je vais rapporter la potion, comme ça ensuite, je vais dans le village, je vais pouvoir partir sur la quête de... du maréchal Ferrand. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus le nom en tête et j'ai pas envie de regarder. Mais en gros, je vais pouvoir prévoir un cheval peut-être. Donc, du coup, je vais un peu plus vite. Ce qui sera magnifique. J'ai cru qu'est-ce que ça rigole là. Voilà, ça, on va avancer tout en remplissant nos quêtes. Pas formidable, franchement. Alors, le croisement. Rien! Laisse-moi passer, ce sera pour moi. Tac, tac, tac. C'est bon, ta femme va pouvoir revivre. Hop, 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 hop. Vous avez la potion? Oui. Oui, j'ai la potion. Et? Hein? C'est tout? Il se passe. Je comprends rien. Pas toi? Si c'est toi, mon gars. On l'a croisé là, le mec. Je suis quand même pas folle, non? C'est quoi ce bug de merde? Pitié, dépêchez-vous! Mais je l'ai ta putain de potion, mais c'est toi qui veux pas de moi.
de gland. Merde. C'est quoi ce connerie de merde? Ah voilà, c'est ce que t'es assis comme un con, je peux rien faire. Putain, feignant, va. Tenez, la potion et la recette pour en refaire. Chut. Laisse vous bénisse, ou le créateur, ou qui vous voulez, peu importe, merci infiniment. Je vais lui donner tout de suite. Si jamais je peux aider l'Inquisition, vous pouvez compter sur moi. Merci. L'Inquisition soit louée. Non, mais vous imaginez comme que je pouvais pas remplir la mission parce que l'autre était trop feignant pour se lever. Je sais pas fou, si vous... Et là, je suis coincé. C'est quoi cette blague? Voilà, montez sur la table, c'est très bien. Donc du coup... Aïe. Les marches solitaires, le maître de l'écurie. Du coup, hein, les gars, on est parés. Là maintenant, on n'a plus rigolé. On va chercher un cheval. Parce que la dernière fois, on faisait que merder, on avait trop de mal à passer parce qu'on n'avait pas de, potion. Enfin, c'était la misère, quoi, clairement. Et là, voilà, ça pue de la misère puisque on va pouvoir faire quelque chose. Et du coup, là, normalement, quand je reparle au mec, il va pouvoir me mâcher sa quête, vu que je vais avoir trop de quêtes. Hein. Ils vont pas tous résister au froid. Les gens ont froid? De quoi avez-vous besoin? Troisième fois ou quatrième fois qu'on l'a? Les gens ont froid? Ah bon? Je ne comprends pas. Comment on sait qu'ils ont froid? Les mages et les templiers ont basculé dans la folie. Si on était dans un village, je pourrais chaparder une couverture sur un fil à linge. Mais par ici... Je suis sûr que les apostats ont des tas de réserves. C'est juste que j'ai pas encore mis la main dessus. Ouais, je peux rien faire avec lui, en fait. Enfin, hormis lui amener une découverture, mais... Ah si, voilà, ça débloque une quête. Trouver 5 caches d'apostates. Ouais, parce qu'à mon avis, on doit avoir un nombre de quêtes limité. Et bah là, du coup, j'étais rendu à la limite. Tout simplement. Donc, Bon, les gars, il n'y a plus d'excuses, là. Je m'en fous, je n'ai plus d'excuses du tout. Regardez ça. Les apostats sont devenus ivres de pouvoir. Je vois tout à fait oublié. Une petite... Ah putain, c'est vrai que les... Je peux pas foutre de potion quand je suis trop loin. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, avec ton arbalète? Allez, range-toi, sérieux, range-toi. Allez, mais putain, mais... Sérieux... Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est pareil. Allez, on bouge. Allez, hop. Tu peux me réanimer, Shina, s'il te plaît? Oh, la chance! Allez, Shina. Hop, Shina, lève-toi, il va loin. Très loin du combat. Peux prendre ta potion. Tu veux te prendre à moi? Allez, on va faire celui-là, là, qui fait un peu de vie. Il faut y aller. Ah, c'est toujours un en moins. Nous rétablirons l'ordre conclu en une alliance. Voilà, un en moins. Ensuite. Merci, mon gars. On a un peu quand même rien à foutre de moi encore. Il va se barrer. Ouais. Non, prends celui-là. Je suis en moitié en bug. Attends, écoutez, hein. Ah. Voilà, allez, on y va, on est motivé. Allez. On est bien parti en plus, c'est dommage. Allez. Non. Non. Oh putain. Ah c'est bon. Encore une ordure. Ah. Non.
Ah putain, mais sérieux. Ah, j'ai du mal en fait à jongler. En fait, je pense que je devrais vraiment plus jongler avec avec les compagnons en fait. Un coup avec China, un coup avec machin et tout en fonction de bah de leur pouvoir tout simplement. Un coup ils sont malins, qui sont mages, d'autres qui sont combat. Enfin voilà, leur balèze, machin et tout. Mais je pense que je devrais bien plus jongler avec eux. Mais c'est vrai que voilà, je suis entre guillemets attaché à mon personnage, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à. J'ai un peu de mal à voir contrôler les autres, on va ça comme ça quoi. Moi c'est mon personnage donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que les autres, j'ai tendance à pas m'en occuper du tout. Et. Mais regardez du coup, ça. C'est pas forcément bien. Les apostats sont devenus ivres de pouvoir. Les Templiers ont l'air beaucoup mieux là. C'est, ouais, c'est une erreur de ma part. Il faudrait que je rectifie un de ces quatre. Ça t'a volé comme une merde, Sauveur. Allez! Mais non! Oh, vas-y, si tu veux, je perds. Bon, t'es pas tout seul, c'est pas trop gênant. Ouais, j'adore quand la caméra suit comme ça, c'est vraiment super. Hein. Allez! Ah, lui, c'est bon, c'est fait. Allez! Ah! Ah, dégage. Établirons l'ordre qu'on conclut en... Je suis paumé là, je suis entre les tout le monde, ça me fallait pour ça. Ah non, je vais prendre lui. Ah, excuse-moi, je veux juste passer. Allez, Mishina. Tranquille, tu sais le mec. Aucune prise de tête. Allez China, bouge. Prends ta potion gentiment. Allez, c'est bon ça. Allez. Aïe, putain de bouclier! Allez. Mais putain, mais ils font chier qu'un bouclier de merde là! Putain, je suis toute seule. Oh putain! Allô, ça mouille. Ça brûle. Voilà, comme ça, je vais prendre un revers à ceux qui ont pas beaucoup de vie, genre toi. Non, pas toi. Là. Il est mort ou pas? Hop. Je suis une grosse salope. Fou. Hop là. Je les prends pour des véritables cons. Hop là! Faut me voyez plus. Il n'y a plus de potions, il n'y a plus rien. C'est grosse misère encore une fois. Et il reste des gens. Bon, déjà, je vais ranimer Cassandra et Varric qui sont ensemble plus. Allez, on se ranime, les gars. Mais barre-toi, connasse, bordel, fous-moi le camp, vite, barre-toi, je m'en fous, tu te barres. Je connais pas du tout ses pouvoirs qu'elle a en plus, donc c'est horrible. C'est quoi ça? Ok, ça va l'air bien. Donc là, c'est le bouclier, ok. C'est un coup de bouclier, ok. Ils sont pas beaucoup de vie, c'est pas grave.
c'est pas grave du tout. Tiens, Varric. Putain, fils de... fils de bip, c'est ça. Putain, mais merde, quoi. C'est quand même fabuleux, ça. Putain. Je m'en fous. Quitte à en chier. J'en chierai. Mais je ne renoncerai pas ce coup-ci. J'ai trop renoncé. Bon, on va lui parler à lui, là, tête de fou, là. Les gens ont froid, ah bon, je comprends pas. Des couvertures, des vêtements chauds. Ces pauvres ont tout perdu quand les mages et les templiers ont basculé dans la folie. Oh, si on était dans un village, je pourrais chaparder une couverture sur un fil à linge. Mais par ici, elle est vachement belle comme ça, d'ailleurs. Des dragons, enfin, un dragon dessus et tout. C'est dommage, hein, franchement, on aurait deux comme ça, ça achèterait vachement. Là, on a une moche et une belle, quoi. Grosso modo, c'est ça. On a 8 potions en plus, quoi. Enfin, je sais pas. Faut arrêter, quoi. Il bouge des potions comme pas possible, quoi. Je sais quoi, je regarde quand j'ai besoin d'une potion, il en reste plus, quoi. Il en reste une ou deux, quoi, à l'arrière. Regardez ça. Ah, moi, ça, ils arrivent comme ça. Je vois tout autant de templiers. Regardez-moi le monde qu'il y a. Tu m'étonnes que j'en chie, toi. Eh ben voilà, je comprends mieux maintenant. Faut y aller. Oh putain! C'est qui est faible? Ah, nous avons perdu Cassandra, nous avons perdu Sheena. Et on va pas perdre. Non, on va aller vous faire foutre. Et voilà, vous voyez! Tout à l'heure j'en ai 8, maintenant j'en ai plus que 2. Voilà, faut arrêter un peu, les gars. Vous faites toutes les potions aussi. Voilà, bah ouais, bah. Putain, sérieux, quoi, il bouffe les potions, j'ai même pas eu le temps d'en prendre une ou deux, il y a plus rien, quoi. Ah, mais... Oui, je pète un câble, oui, je pète un câble. Les gars, les potions, c'est pour 8 personnes. D'accord? Ils en ont rien à foutre, rien à ça. Rien à foutre. Ah, il marche, vous savez pas où il marche, mais il marche. Hein. Donc, je disais, les potions, c'est pour 8 personnes. Hein? Donc... Ça serait gentil et bien aimable de garder pour tout le monde. Putain! Regardez ça. Les apostats sont devenus ivres. Est-ce qu'elle sort bien? Ah oui, sur lui, il faut que je la prenne à envers. Va pas si loin, Cassandra, faut qu'on reste serré, solidaire. Nous ne rétablirons l'ordre qu'en concluant une alliance. Cassandra va mourir, ça je vois l'arriver le truc, t'as ça. Je vois le truc arriver correctement. Ça, il y a moins de monde, j'ai l'impression. Et si on peut le faire tranquille au bilo, genre on n'est pas là, on passe juste comme ça. Ça pourrait peut-être pas être mal aussi, c'est quoi ça, une meurtre? Personne n'a cru. Voilà, on n'est pas là. Vous venez les gars, parce que c'est là qu'ils sont partis en combat et que moi je pars tout seul de mon côté. On va pas aller bien loin. Allez, hop.
Hop. Du coup, armure d'éclaireur. Armure. D'éclaireur, donc du coup, ce serait la même que moi. En fait, t'as quoi comme armure au final? Parce que. T'as une légère d'aventurier, toi. Ok. Ah, c'est condition, faut être un voleur. Donc, en gros, il y a que moi et lui qui peut le mettre. Ok. Ah, mais là. Écoute, tant mieux hein, pour toi. Tant mieux pour toi, donc, mais là. J'essaie d'équiper un peu mieux que ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident, évident, évident. Bon, bah laisse-moi y aller. Allez, les gars. Ah ouais, t'arrives à la prendre comme ça, ok, c'est chouette. Ça pue la merde, mais ça pue la merde. Là, je suis en mode, on voit pas, mais en même temps, je sais qu'on a vu. Donc là, il y a quelqu'un. Donc, il y a une brèche. T'es où, ma fille, là? Ah putain, je vois rien avec les caméras qui suivent pas. Putain, c'est beau, ça. T'es morte? Sérieuse? Rappelez Shina. Parce que sans Shina, on ferme comment la brèche, hein? Je sais pas. Ouais. Et les potions, mais là, par contre, ils en prennent pas alors qu'ils en ont besoin, quoi. Non, mais. Putain. Ah, il y a des fois. Mais putain, mais arrête de tomber comme une vieille merde, quoi. Sérieux? Lève-toi. Allez, putain, mais. Ah ouais, mais putain. Il doit y avoir une brèche, il y a des mecs comme ça, hein. Il faudrait qu'ils viennent comme ça, les mecs, hein. Pas de brèche. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais... What the fuck, oh. Putain, fuis, je sais pas, fais quelque chose, reste pas dans leurs pattes, quoi. Moi je m'en fous! Sentez comment que ça pue? Vous le sentez? Moi aussi je le sens. Allez, ouvre! Ouvre pas ça. Quelle est la cabane nécessaire? On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Il y a un truc là. Revendique. Revendique. Oh putain, en revendiquant, tout le monde est revivant! Et revivant. Oula, c'est français cette affaire. Bonjour. Tu vas prendre une potion parce qu'avant que les autres la reprennent parce que. Donc là il y avait une cabane. Je sais même plus qui est rendu la cabane.
cabane du pêcheur. On parle tout doucement parce qu'il y a un monsieur là-bas et est-ce qu'il nous entend? Chut. T'as que la cabane nécessaire, mais je sais pas, tu sais crocheter les portes, ma fille, donc vas-y, fais-le, quoi. Eh ben, lave-la, la faille. J'suis pas débile, hein. Je savais qu'il y avait une faille, hein. Voilà. Là, faut que je fasse, en fait, en mission. Je suis pas là. Voilà, je suis pas là. Je me vois pas, je suis pas là. Ça, je vais pouvoir refermer la brèche sans que personne ne le voie. Non, ça passe pas. Ah, y a plus de potions. Non. Si, c'est bon. Non, tu me dis d'où tu me vois? Putain, je suis invincible, je suis pas invincible, mais je suis indétectable. Ça, d'où tu me vois? Putain d'enfoiré, fils de pute. Ah putain. Heureusement, j'ai fait ça tout à l'heure, hein, pour sauvegarder un peu, hein. Putain, ça m'énerve, ils sont toujours en manque de vie, là, putain. Ouais, hop. Et du coup, de toute façon, quand je fais ça, eux, ils sont voyants, hein. Ouais. Ils sont voyants, mais du coup, ils savent pas où je suis, donc du coup, ils ne bougent pas. Mais je comprends pas des fois. J'appuie sur le machin pour dégager le joystick. Non, elle veut absolument ramimer Varric ou Cassandra ou machin ou truc. Et mais fuck quoi, si je veux pas moi, j'ai quand même le droit de dire mon mot, non? Putain. Terrible, terrible, terrible. Je suis obligé de refermer la brèche de toute manière parce qu'on peut passer à côté. Forcément, hein! Forcément! Là, là, là. Je me fais passer. Je me fais que passer. On ne revoit plus. Ah bah d'accord, ils sont tous les trois morts côte à côte, hein, comme ça au moins. C'est pas chiant. Ouais, en gros, ça a rien, je te sauve. C'est pour remourir derrière. Putain, je le sens mal cette affaire, c'est un truc de fou. Hop là. Hop là. Ah, j'attends que ça se recharge le truc pour plus qu'on voie. Ah, en fait, j'ai un gros problème de potion. Il faudra que je voie un petit peu mieux. Au pire, je peux voir maintenant. Et voir s'il n'y a pas une chose qu'on peut faire. Parce que là, techniquement, c'est obligé. Technique, on sait. Attribut. Ok. Attends, comportement, qu'est-ce que c'est que ça? L'écran des comportements vous permet de donner des instructions à votre groupe sur sa manière de se battre. Ah! C'est peut-être ça qu'on a besoin, tiens. De coopérer et de se défendre en combat. Vous pouvez contrôler directement vos compagnons et passer de l'un à l'autre et suivront ces instructions lorsque vous ne les contrôlez pas. Ah bah voilà! Bon, on s'en fout. Nous, on la contrôle. Par contre, lui, on le contrôle pas.
Marche arrêt. Marche arrêt. C'est quoi ça, marche arrêt? Donc, seuil de mana endurance. C'est quoi ça? Seuil de mana endurance. On va laisser à 50. Choix des cibles. Choisissez des cibles en suivant celle de l'un de vos compagnons ou en établissant les fruits de ce qui est là. D'accord, en fait là je lui demande de suivre Shina. Donc ouais, ça peut être bien. Ah, réserve de potions curatives. Le compagnon du serveur de potions curatives, c'est en reste cette quantité ou moins. En gros, tout ce qu'il y a avant, il prend. C'est chouette. Hein. On va laisser à deux de toute façon. Seuil de gestion des potions curatives. Lorsque la santé du compagnon passe sous seuil, il essaie d'utiliser une potion curative. Ouais, bah donc tu vas pouvoir la prendre à 10%. C'est beaucoup mieux, tu verras. Toi c'est pareil, 10%. Toi c'est pareil, tu vas suivre Shina. Ah, vous voyez, ça va être beaucoup mieux, on va voir. Franchement, je suis sûr que là, on va s'en sortir un peu mieux parce que du coup, ils vont pas bousiller des potions pour rien. Putain, pas possible ça. Ah, c'est sûr que s'ils prennent des potions alors qu'ils sont, ils sont pas du tout faibles. Ouais, je comprends mieux du coup, hein, je veux dire. Ah, putain, qu'est-ce que je suis censé faire? Je vais regarder juste la carte, vous comprenez. Andir, prince nain et ami de Tira. Il est derrière nous? Ça, c'est-à-dire que je peux aller au camp, en fait, non? Non, c'est qu'un camp. C'est qu'un camp, là. Donc, en fait, là, j'ai mis le camp. Je sais pas c'est quoi le truc à me dire, hein. En gros, je pense que c'est pour essayer de l'aider. On va essayer de l'aider. D'accord. Voilà comment on aide quelqu'un. Voilà. 3 kilos. Revendiqué. Ok. Ouais, je dis très vite fait parce que je suis pas une place du tout rien. Ça, je vous ai expliqué plusieurs fois. Ouais, enfin, si je m'amuse à faire ça. Et pourquoi il y a plein de points hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai plein de points? Journal. Ah ouais, c'est là où ils vont mettre en fait où il y a les où est-ce qu'on peut faire des camps. D'accord. Donc en fait ça sert à rien, j'allais là-bas. Vaut mieux que j'aille où j'allais à la base. Pourquoi j'ai... Attendez. Ouais, en fait il faut mieux que j'aille par là. Ok, on est reparti vers là-bas. Là, je vais le faire en essayant d'être furtif. Genre, on ne peut pas. Ça va être très dur, je pense. Pourquoi j'ai été attaqué alors que on est mal? Pourquoi j'ai été attaqué alors qu'on avait plus de potions, plus de vie, plus rien? Putain, j'en ai marre de faire des conneries là. Ah, je fais que de la merde, que de la merde, que de la merde. C'est quoi cet épisode de merde? Franchement. Bon. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'aille dans un camp. De toute façon, là, ça va être en mode. La 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 la. Vous me suivez les mecs, hein? Ouais, c'est cool. Parce que moi, j'irai pas vous chercher. Hein. Moi, clairement, moi, t'as rien à foutre. Hein. Putain, c'est con, j'ai pas la clé. Hein. Je
pas passer par là. Ah, j'aurais eu la clé, je suis sûr qu'il y avait des choses là-dedans en plus. Bon, en mode furtif. Avance! T'occupe! T'occupe, on verra plus tard. T'occupe! T'occupe! Putain de camp! Allez, en mode, on n'a rien vu, on ferme les yeux, on sait pas ce qu'il y a, on sait pas ce qui se passe, pourquoi tout le monde meurt. Je pense que je ne ferai pas longtemps, mais. Ah, vous avez vu, ils sont tous revenus en vie. Discrétion 0? Non, même pas. C'est bon, c'est jouable. Hop, 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 hop. Franchement, si j'arrive, je suis une bolosse. On va essayer d'aller en camp, mais en mode furtif. Je sens les flèches qui me rasent le cul. Ah putain, aïe. Elle m'a pas rasé celle-là. Allez, prends la relève. La relève de la furtivité. Ah, du... À la foutre. Allez, Chinard, reprends la relève. Allez. Ah, il est encore loin le truc ou pas là, parce que... Ouais, quand même, hein. Sont défaits, mais je vais pas faire. Non, moi, j'ai vachement d'ennemis quand même. Hein. Faut dire, mais. Là, y a une brèche. En même temps, je suis en hauteur, donc peut-être que. Peut-être que rien du tout. Peut-être que rien du tout. Bon, dépêche-toi, ma couille. Allez, hop 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 hop. Mais la foutre. Non. Putain. Ouais, si tu veux, vas-y. Maintenant, on se barre. On se barre, on se barre, on se barre. Allez. Je crois que j'ai jamais fait un jeu comme ça où je fuyais tous les combats. Généralement, je m'oppose au conflit, j'y vais dans le tas. Mais là, je suis très loin que ça sert à rien que je le fasse, donc... Donc je préfère rester sérieuse. Et ben voilà, on est arrivé au camp. Putain, ça fait du bien de se dire qu'on va avoir un petit peu de vie, un petit peu de potion. Putain. Ah, ça va mieux les gens, hein. Ah putain. Ah, ça va mieux. Bon, maintenant, on va pouvoir aller reprendre notre revanche sur la fire que j'ai évité. Sauf à exprès, hein. Allez, c'est parti pour la fire. Oula, 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 oula. Hop là. T'as une boule de tête, toi. Ah putain, t'es bien forte aussi. Putain, mais c'est quoi ce... C'était quoi ce personnage super méga forte avec des putains de pouvoirs de merde qui nous a bien cassé les couilles? Je me demande
si je commence à en chier comme ça. Ah ouais, je comprends mieux les masochismes, les cauchemars, je comprends mieux, hein, y'a pas de soucis. Hein. Vache. Mais au moins, voilà, moi je sais que quand je fais mon gameplay, au moins je vous montre tout, quoi, je vous cache rien. Dans le sens où, voilà, je pourrais très bien que vous spoiler non plus, mais voilà, je vais pas vous montrer, on va dire, les moments où je galère comme ça. Mais regardez-moi ça, elle meurt pour rien! C'est quoi cette arnaque? Repli, bah ouais, mais non. Oh, misère. Ah, barre-toi. T'en fous, barre-toi. Et prends une potion. Tout le monde prend sa potion. Et merde, quoi. Hop là. En mode crapaud. Voilà. Hop là. Grosse merde. Putain, je peux encore pas prendre de potion. C'est en mode, je suis là, mais je suis pas là. Je suis pas là. Allez, Cassandra, lève-toi. Et va au combat. S'il te plaît. Encore 3 potions. Encore 3 potions, les mecs. Allez. Allez, perturbe-la, t'as plus ton faille. Hop là. Putain, mais prends ta potion là. C'est l'autre qui nous casse les couilles là. Putain. En fait, je suis sûr qu'il faut la buter, cette connasse. Oui, il faut la buter, mais je suis sûr que parce que la faille, j'ai l'impression que même si j'appuie sur X en fait pour la détruire, ça la détruit pas tant que ça en fait. Donc je pense vraiment qu'il faut tuer l'autre pour ensuite avoir la faille. Après, c'est à voir hein, forcément, mais de ce que je vois, c'est ce que je pense. En mode, je suis pas là. En fait, vas-y, je fais la mienne. C'est le moyen que j'ai, je pense, pour y arriver. Alors, hein, fais-moi la maline, là, hein. Connasse. Ah, déjà, là, la faille, elle a quand même... Ça prend déjà beaucoup plus de dégâts que tout à l'heure. J'ai un peu cette impression-là, moi. Par contre, tu peux pas prendre une potion, toi, au lieu de rester comme une conne, là. Je sais pas. Fais chier un petit peu, des fois, hein. Non mais sérieux, qu'est-ce que vous venez foutre là les mecs là? Bon, on va laisser la faille tranquille. Hein? Et puis voilà. Non mais parlez sérieusement, je pense vraiment que je vais arrêter l'épisode là parce que ça va mal. Je pense pas que je suis dans un bon jour là, parce que si je serais dans un bon jour, je pense que j'en chierais moins. Voilà. J'en chierais moins. T'as compris? Mais ce qui me semble, j'en chierai moins. Parce que généralement j'en chie sur cette mission, mais j'arrive toujours plus ou moins à m'en sortir. Mais là, vraiment, j'y arrive pas du tout.
Donc je pense vraiment que je vais arrêter là. Et puis on se retrouve, pour ma part, ce sera demain, entre guillemets, pour l'épisode 6, je crois. L'épisode 6 de Dragon Age Inquisition. Voilà. Avec nos amis. Je pense que je vais changer nos amis dans le prochain épisode. On verra. Surtout le personnage derrière moi. Allez, bonne soirée les amis. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire. Enfin, comme d'habitude quoi. Allez, salut les amis.